les loulous. Donc je vais faire une séquence où je couperai les... quand je parle pas et que ça sert à rien. Donc c'est normal qu'il y aura des bugs dans la vidéo. Je ferai des montages, je vais essayer de faire ça. Pareil, hein, comme d'hab, one shot. Donc là j'ai rien envie de dire. Et ça va venir. Parce que il faut que vous laissez sortir les choses de son corps. Il faut que l'énergie elle passe. Donc on va la faire passer. Donc, déjà, je vais me faire passer un peu de fumée dans le dans les poumons et dans les narines. Sur des choses que j'ai entendues dernièrement, que j'ai ressenti, ou j'ai vécu, ou j'ai vu. Et je ferai des petites coupures, des petites séquences, bon, plusieurs fois. Alors l'autre jour, enfin pas l'autre jour, c'est en fait depuis toute ma vie en fait, on me dit que je parle trop. C'est-à-dire que quand je parle sur un sujet, je parle pour pas dire grand chose. J'avoue. Je l'accepte, je l'avoue. Et je sais que c'est un gros défaut. Et en fait, suite à ça, la dernière fois, j'étais avec ma soeur lors d'un dîner et on discutait parce qu'en fait, ils avaient invité des amis à eux. Et moi, un gars qui était un peu spécial, qui était là, qui mangeait à table avec eux. Et ils m'ont raconté une petite anecdote et je me suis dit, mais en fait, ce gars, il a tout compris. Donc, ils étaient à la table, en train de manger, et a priori, il y avait des personnes qui se plaignaient, qui n'arrêtaient pas de se plaindre. Et ouais, c'est comme ci, et c'est comme ça, c'est chiant, et tout, blabla. Et le mec, tu sais ce qu'il a fait? Il s'est levé de table, il a dit, en gros, mais quand ça va pas, t'as juste à faire une petite roulade. Moi, je fais des roulades. Et c'est fini. Il a fait une roulade. Il a fait une roulade et en disant, tu sais, des fois ça sert à rien de se prendre la tête, tu vois, tu passes à autre chose. Donc lui, lui pour passer à autre chose, c'était, il se faisait des petites roulades. Et en fait, tout ça, ça vaut. Pour moi, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de s'exprimer pour pas se prendre la tête, en fait. C'est-à-dire que là, moi, je fais des vidéos parce que j'ai besoin de transmettre. Je pense que j'arrive à un point où là, j'ai expérimenté pas mal de choses sans être quelqu'un de surnaturel de mieux qu'un autre. Voilà, j'ai mon expérimentation et je passe maintenant à l'envie de transmettre. Un peu comme, comme une cellule quand elle se dédouble. Je sais pas si vous avez vu le film, je crois que c'est Lucie. Pas mal le début du film, j'aimais bien. Et voilà, donc j'ai envie de vous dire, faites des roulades si ça peut vous soigner. Moi j'ai trouvé ça, j'ai bien aimé cette parenthèse. En ce moment là, je regarde pas mal de vidéos de Surdoué 132. J'aime bien ce gars. Je l'aime bien parce que ce gars il est honnête avec lui-même, il se cache pas, il se montre comme il est, dans ses bons moments, dans ses mauvais moments, et il s'exprime, il partage. J'aime bien ce style de gars. Et je voulais lui donner un conseil. Je voulais lui donner un conseil, donc si je pense pas que ça arrive jusqu'à lui. Alors en tout cas, s'il y a quelqu'un qui regarde ses vidéos et qui est un peu en lien avec lui et qui veut lui transmettre, qui lui transmette ce petit message. Moi, je t'aime bien, Surdoué. Franchement, t'es un bon gars et j'aime bien ce que tu fais.
Mais par contre, il y a un truc, c'est un conseil, mais pareil, de toute façon, je pense qu'on se comprend très très bien, on est un peu sur la même longueur d'onde. Donc tu prends ce que tu as à prendre, si tu n'as rien à prendre, tu prends rien du tout, il n'y a pas de problème, j'ai aucun souci avec ça. J'ai remarqué que en ce moment, pour toi, alors je sais pas depuis combien de temps ça dure, mais je vois que ça fait ça, des grosses fluctuations. C'est-à-dire que t'as des moments où, ah, je te jure, où je suis vraiment mort de rire juste à t'écouter. Et des moments où je vois où tu plonges et t'es assez bas. Et je comprends tout à fait ça. Et en fait, je voulais te donner, voilà, mon expérimentation. Et je pense que tu es sur la voie. Et puis pour te donner du courage, parce que c'est pas un état en fait qui reste. Au bout d'un moment, tu vas voir si tu vas commencer à te stabiliser. C'est-à-dire que, enfin, que je te donne ça. Il y a un gars qui en parle super bien. Il s'appelle Laurent Duro. Bon, c'est, par contre, il faut bûcher pas mal. C'est, il y a pas mal de cours. C'est hyper intéressant ce qu'il fait, ce gars. En gros, tu es en train de, dans ton expérimentation, de comment on va dire, de créer ta mère Kaba et de la remplir en fait petit à petit, tu vois. C'est comme si tu étais quand tu commences, quand tu nais en fait, et une sorte de, on va dire, d'une géométrie en fait qui va dans, on va dire, dans deux tétraèdres qui sont inversés. Et aujourd'hui en fait, tu es tout petit dedans et tu te balades. Tu te balades dedans. Donc au début, quand tu as conscience que de la matière, bah, tu te balades que dans on va dire la pyramide du bas. Et donc tu vas monter des fois tu descends, mais bon, ça reste cool. Jusqu'à un moment où tu commences à expérimenter, on va dire, le côté informationnel des choses, le côté l'envers du décor. Donc toi, tu as passé ce cap, donc j'ai vu, c'est ce qu'on appelle le premier voile de pluie. Donne accès à d'autres connaissances, à d'autres savoirs. Quand tu montes là-dedans, dans cette partie féminine, tu peux choper de grandes joies, de grands moments de vibration, on va dire, où tu es dans des vibrations hautes. Et jusqu'à même, pour certains, avec des montées de Kundalini quand tu arrives au sommet. Le problème, c'est quand on redescend en fait. Donc toi, je pense que le voile de l'oubli, tu l'as déjà franchi plusieurs fois. Mais au niveau de ton expérimentation, elle n'est pas assez large. Je dis pas que ça ne veut pas dire que tu n'as pas de connaissances sur quoi que ce soit. C'est-à-dire que faudrait peut-être que tu prennes plus de temps intérieur. Pour élargir, on va dire, ta géométrie sacrée dans cette Merkaba, pour qu'elle prenne plus d'espace. C'est-à-dire qu'en imaginant que tu as une pyramide, toi tu es un point comme ça et tu te balades comme ça, boum 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 boum, et tu te fracasses dans tous les sens. Et plus les temps arrivent là où on est dans des vibrations, on voit que la résonance de Schumann, où ça vibre de plus en plus vite, et ben en fait tu fais souvent ça. Tac 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 tac, et tu montes, tu descends et tu passes sur les côtés. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est, en prenant du temps intérieur, tu vas voir que en fait, tu vas plus être un petit point en fait, c'est que petit à petit en fait, ta géométrie va aller jusqu'à prendre chaque bord en fait de ces deux pyramides. Et du coup en fait, tu vas bouger de manière moins duelle, on va dire. C'est-à-dire que ça va bouger aussi vite. Mais sauf que tu seras partout à la fois, c'est-à-dire et dans le bon moment et dans le mauvais moment en même temps. Et en fait, ton champ d'expérimentation en fait est non duel, parce que tu auras un point de vue qui sera plus élevé, vu que tu auras conscience vraiment de ce côté féminin, ce côté intuitif. Et donc voilà, c'est en gros, c'est ça mon conseil, c'est prendre du temps intérieur.